pas honte d'avouer notre faiblesse et de proclamer ta force. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Tu es désiré, bien-aimé, apprécié, accueilli. Notre différence, c'est toi. Yes, Lord. Yes, Lord. Quelqu'un a compris. Voilà pourquoi il t'acclame. Nous acclamons, on avance parce que nous savons que nous ne comptons pas sur nous. Nos sources sont en toi. Tu nous as déjà prouvé que tu nous as pris par la main. Alors nous te faisons confiance chaque jour et encore aujourd'hui pour que tu nous conduises sur les rails de ta volonté et que tu nous emmènes plus haut à la rencontre avec Dieu, à l'expérience de Dieu, à la visitation et l'habitation divine. L'habitation de Dieu en esprit, c'est ce que nous sommes. L'expérience de Dieu, l'expérience de la gloire, de la puissance, de l'autorité, des miracles, des prodiges et des signes. C'est ce que tu es en train de construire. Nous sommes tellement reconnaissants d'être des vases entre tes mains. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu es au milieu de nous. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu prends soin de nous. Merci de ce que tu nous as appelés pour nous faire du bien et non pour nous faire du mal. Waouh, Saint-Esprit, tu es tellement excellent. Ta direction est excellente, ton inspiration est excellente, ton ministère est excellent. Ta main étendue est excellente, tes œuvres sont excellentes. Tes œuvres sont admirables, elles ne sont pas misérables. Oh non, 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 tes œuvres sont admirables et nos âmes le reconnaissent. Voilà pourquoi nous sommes connectés en présentiel de tous les campus et sur Internet. Seigneur, de là où nous sommes. Et ta parole n'a pas de barrière, ta parole n'a pas de distance. Ta parole nous localise, ta parole nous guérit, ta parole nous sauve. Ta parole nous fait échapper des forces, ta parole fait sortir des prisons. Ta parole nous catapulte, ta parole nous relève, nous restaure. Ta parole fait venir à l'existence ce qui n'existait pas. Ta parole crée les choses. Ta parole façonne et ta parole a le pouvoir de transformer. Mais ta parole a aussi le pouvoir de créer ou de récréer. Oh, nous sommes reconnaissants. Nous admirons le Dieu des merveilles, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Le bon berger, le bouclier, le protecteur, le rocher, le bien-aimé. Le feu dévorant qui nous embrase de l'intérieur. Oh, Malatazia, je suis tellement reconnaissant d'être porté dans tes mains, porté sur des ailes d'aigle. Waouh, nous sommes tellement reconnaissants par ton ministère, par ta présence, par ta révélation. Tu bâtis une armée, tu entraînes un peuple, Seigneur. Nous apprécions ton ministère, nous reconnaissons. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous l'as dit et nous sommes d'accord. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous ne sommes pas là où nous sommes, mais nous sommes fiers d'être divinement remplis, divinement conduits, divinement gouvernés, divinement commandés, divinement assistés, éclairés, inspirés, propulsés, catapultés, fortifiés, vivifiés, sauvés, guéris, restaurés, rétablis, redimensionnés, relevés. Oh, nous sommes malades de que t'es la maladamos. Oh, rien n'est acquis pour nous, rien n'est acquis pour nous, rien n'est acquis, tout n'est que grâce. Être dans ta présence est une grâce. Répondre à cette invitation des 21 jours, c'est une grâce, c'est une grâce. Nous sommes reconnaissants. Avoir le désir de venir, avoir le désir de nous connecter, avoir le désir de prier. Quelle grâce, Seigneur, de ce que tu es en train de réveiller un peuple. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est lorsque le peuple a soif de son époux. L'épouse a soif de son époux. La création a soif de son créateur. C'est ça le réveil. Les brebis ont soif de leur berger, de leur bon berger. Pas seulement des verts pâturages, pas seulement des eaux paisibles, mais du berger, le berger. Pas seulement de manger, mais de la présence du berger. Ah, Valodosia. Alors merci pour l'œuvre que tu fais à l'intérieur. Elle doit commencer à l'intérieur, afin de se refléter à l'intérieur. Et nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu fais à l'intérieur. C'est une œuvre merveilleuse, c'est une œuvre admirable, c'est une œuvre, Seigneur, glorieuse. Béni soit le nom du potier, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de notre bien-aimé, notre rédempteur et notre époux. Karatoshema. Shale karabato lokote zilama.
Chalamalada. Nous dressons, nous adressons une salve d'acclamation. Une salve d'acclamation en ton honneur. Seigneur Jésus le Christ, Dieu notre Père, glorieux Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, immortel et invisible, sage, excellent, magnifique, redoutable, fort dans les combats, puissant guerrier, oh mal. Nous avons choisi la bonne part en choisissant Jésus le Christ seul, car il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés à l'exception de ton nom. Nous acclamons le nom de Jésus, nous célébrons le nom de Jésus. Tu es présent au milieu de nous par le glorieux Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, aujourd'hui et toute la suite des 21 jours, nous nous attendons à ce que tu viennes glorifier Jésus, que tu parles, que tu manifestes les œuvres de Jésus, que tu rendes Jésus populaire, que tu attires les nations à Jésus, que tu libères, que tu fasses les œuvres que tu as faites en Jésus, que tu les fasses à travers nous, le corps de Christ, les petits et les petites sœurs et les petits frères de Jésus. Parce que Jésus a dit que ceux qui croiront en lui feront les œuvres que lui il a faites. Et même ils en feront de plus grandes parce que Jésus est parti au Père. Mais quand Jésus est parti, tu es venu. Alors nous sommes des incapables. Nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Oh God, we don't know. We know not anything. But we thank you because you are here. Nous te remercions parce que toi tu es là. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, oh, tu es. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, tu es honoré et désiré. Oh bienvenue, tu es désiré. Oh magnifique, nous ne savons pas prier, mais nous sommes avec toi. Ta présence fait la différence. Tu es excellent, tes œuvres sont admirables, tes œuvres sont merveilleuses, tes œuvres sont magnifiques, tes œuvres sont excellentes. Oh cher glorieux, oh cher paraclé, avec toi Seigneur, nous sommes en bonne compagnie. Avec toi Saint-Esprit, nous avons choisi la bonne part. Oh bienvenue, tu es désiré. Oh Saint-Esprit, cher magnifique, glorieux, oh nous te remercions Seigneur pour ton ministère au milieu de nous. Seigneur avec nous, un peuple est en train de t'aimer, de te connaître, un peuple apprend Seigneur à te découvrir, un peuple apprend Seigneur à chercher premièrement toi d'abord, pas uniquement non, mais à commencer avec toi, et cette grâce tu la répands, Seigneur, sur toute une armée, la grâce du prophétique, la grâce d'être rempli de toi, la grâce d'être conduit par toi.
La grâce n'est conquise par toi. La grâce d'être gouvernée par toi. La grâce d'être entraînée par toi. La grâce d'être embrasée. La grâce d'être consumée. La grâce d'être fortifiée. La grâce d'être entraînée. Nous apprécions ton ministère. Et nous reconnaissons que tu es notre atout. Tu es un avant-goût du ciel. Le ciel sur la terre se résume à une personne. Le glorieux Saint-Esprit, le ciel a déjà commencé. A commencé sur la terre à travers ton ministère. Oh, Saint-Esprit, oh, Paraclet, l'alémalachalatosilema. Nous ne sommes pas rassasiés, nous désirons encore plus. Encore plus de toi, Seigneur, car il est écrit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où tu te trouves, il y a abondance, abondance de liberté. Nous t'honorons, tu es désiré, ô magnifique. Tu nous as attirés à ce programme de 21. Seigneur, pour nous faire du bien. Non, pas pour nous laisser comme nous sommes, non. Mais tu nous as attirés. Tu nous as, Seigneur, appelés pour nous rémunérer. Seigneur, pour nous récompenser. Seigneur, pour faire le bien, ta nature, c'est faire le bien. Ton ministère, c'est révéler, c'est glorifier Jésus-Christ. Mettre les caméras sur Jésus, nous escorter au nom de Jésus. Nous amener auprès du Père, nous faire rentrer, Seigneur. Sans toi, personne n'y accède. Sans toi, personne ne va au Père. Sans toi, Seigneur, c'est la religion. Sans toi, c'est la sécheresse. Sans toi, Seigneur, c'est le vice. Sans toi, on est obligé de procéder à des récitations. Parce qu'il n'y a pas d'inspiration. Oh, nous t'honorons par la clé. Oh, Saint-Esprit. Oh, merci de nous avoir sortis de la religion. Pour ceux qui étaient dans la religion, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir trouvé le royaume. Oh, le royaume de Dieu. Et nous avons trouvé. La justice de Dieu. Au paraclet, aïe, pararosa. Au paraclet, tu es en train de nous enseigner. En train, Seigneur, de nous enseigner. Pendant les 21 jours, tu es en train de nous instruire. Tu es en train de nous montrer à quoi ressemble au Seigneur la direction de l'Esprit, ainsi que la vie de l'Esprit, le ministère de l'Esprit, l'embrasement de l'Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit,
La communion du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, et Mararocha, oh nous apprécions ta présence. Oh s'il te plaît, Seigneur, ce soir, viens nous conduire dans tes voies, dans les sentiers de ta volonté. Emmène-nous à connecter, Seigneur, emmène-nous à t'entendre, Seigneur, emmène-nous à te voir, à voir ce que toi tu fais, à entendre ce que tu dis. Seigneur, tu ouvres nos oreilles, Seigneur, tu ouvres nos yeux, Seigneur, tu mets ta main sur nous. Et tu nous prends par la main, nous entraînons, Seigneur, dans tes voies, les sentiers de ta volonté. Nous sommes si honorés d'être escortés, d'être accompagnés par toi et d'être conduits par toi. Seigneur, d'être conquis par toi, d'être embrasé par toi, Saint. Oh, nous t'apprécions, cher Esprit de Jésus. Oh, Paraclet, tu es l'Esprit de vie, tu es aussi l'Esprit de force, tu es aussi l'Esprit de power. Liberté, tu es l'esprit de délivrance, tu es l'esprit de distinction, tu es l'esprit de différence, tu es l'esprit de gloire, tu es l'esprit de souveraineté, tu es l'esprit de domination, tu es l'esprit de Jésus qui vient glorifier Jésus et qui fait naître la foi, Seigneur, dans nos cœurs. On t'appelle l'esprit de foi qui déplace les montagnes. Si toi tu ne parles pas, Seigneur, il n'y a pas la foi. Oh, nous avons tout pleinement. Regarde ce peuple qui te désire, regarde ce peuple connecté de partout dans le monde, regarde ce peuple assoiffé, certains Seigneur depuis chez eux, dans des postures de supplication, ton règne est désiré, ta volonté est réclamée. Oh Saint-Esprit, merci de nous conduire pendant ces 21 jours sur les rails de ta seule volonté. Oh Saint-Esprit, alléluia. Lorsque l'Église désire l'Esprit, waouh, quelque chose est en train de se passer. Lorsque l'Église le désire, lui, lorsqu'il ne s'agit plus de moi, d'abord moi, mon mariage d'abord, ma maison d'abord, ma guérison d'abord, lorsqu'on commence par lui d'abord, lorsqu'il voit ça, il prend plaisir, il dit, vous avez compris la priorité, il faut commencer par moi. C'est moi qui dois te prendre par la main, Église. Nous commençons avec toi, nous vivons pour toi, rocher paraclet, l'esprit des prodiges,
l'Esprit du Dieu vivant qui fait tout à merveille. Tu es l'Esprit inébranlable. Tu es le Dieu irrésistible. Tu es le Dieu redoutable. Saint-Esprit, les brachala, les kétou la marasé, un peuple à soif, un peuple te cherche, te cherche toi premièrement, toi avant toute chose, c'est notre état d'esprit, au paraclet. La main a redossé, tu l'aide, tu m'as redossé, au paraclet, Esprit de Dieu, qui fait Seigneur tout à merveille, au Saint-Esprit, désiré. Désiré à tuer, premièrement, désiré, premièrement, tu es déjà, toi d'abord, et toi seul, notre priorité, c'est ta volonté, ton plaisir d'abord. Nous avons tout pleinement en toi. Maladosia, Chekata Mara, fais de l'éternel tes délices. Et il t'accordera ce que ton cœur désire. Désire-le d'abord. Désire. Comme Paul et Silas, nous voulons te dire que tu es dans cette situation, dans cette condition. Dans cette prison tu es, ô juste juge, esprit de liberté, esprit de résurrection tu es. Dans cette maladie, dans ces blocages, nous voulons te dire que tu es. En premièrement, c'est toi que nous réclamons désirer. Chalabala rosa, avant l'argent, avant la richesse, avant le travail. Tu es, tu es, tu es. Tu es un peuple de désir. Oh, Abba, allez à la mousse. Désiré. Nous nous déchargeons sur toi de tout souci, tout fardeau, toute crainte, toute inquiétude. Les plaisirs de ce monde vanissent, fondent comme la cire à ta majestueuse présence. Oh, viens procéder un remplacement dans nos cœurs. Là où il y avait des cœurs rocailleux, là où il y avait des cœurs épineux, là où il y avait des cœurs endurcis, oh, viens transformer ce cœur en cœur honnête et bon. Un cœur qui te désire et t'honore et te voit et te vit. Désire, désire, je suis mal à rose, il en a mal. Moi et ma maison, nous te désirons. Et ma destinée te désire.
Ma santé te désire, mon corps te désire, mon âme te désire, mon esprit te désire, mes finances te désirent, ma mentalité te désire. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de toi qui est désiré. Oui, désiré. Mon corps crie après toi, il languit après toi. Mon esprit te désire, mes finances te désirent, ma condition te désire. Elle désire le Dieu vivant, elle désire le Créateur, elle désire l'époux, elle désire le bien-aimé. Ma maison a besoin de toi, ma maison, mon mariage, ma condition, ma situation civile a besoin de toi. Avant le mari, c'est toi, avant la femme, c'est toi, avant les enfants, c'est toi, désiré. Oh, tout ce qui existe en moi, tout ce qui me concerne, ma destinée, mes relations te désirent. Parce que les relations sans toi, ah, c'est une catastrophe. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mes relations ont besoin de l'esprit de sagesse, de l'esprit de discernement, de l'esprit d'humilité, de l'esprit d'amour, de l'esprit d'intelligence. Oh, mes études ont besoin de toi, esprit supérieur, de connaissance, d'intelligence et de sagesse. Ma santé a besoin de toi, esprit de vie, esprit de résurrection, esprit de power, esprit de résurrection. Mon âme a besoin de toi, esprit d'amour, esprit de paix, esprit de joie, esprit de bonté, esprit de bienveillance, esprit d'humilité, esprit de douceur, esprit de foi, esprit d'endurance, esprit de persévérance, esprit de tempérance. Tout mon être a besoin de toi, mon histoire a besoin de toi, ma maison a besoin de toi, l'église a besoin de toi. Une croissance en toi, c'est de la religion. Ce sont des techniques, mais là où tu te trouves, là, il y a abondance de liberté. Parce qu'on peut être nombreux et être enchaîné, être prisonnier. Mais lorsque toi, tu es là, il y a abondance de liberté. Aïe, abattons ça. Je ne désire pas le travail, je ne désire pas l'argent, parce que ce n'est pas tout l'argent qui enrichit, non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui, elle, enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. J'ai vu trop de riches avec trop de chagrin. Alors mes finances, ma vie professionnelle, ma vie financière, elle te désire toi, toi, l'esprit de bénédiction, la bénédiction de Dieu, la main de Dieu, la faveur de Dieu, la prospérité de Dieu. Tout en moi a une soif totale de toi, un désir, tout en moi aspire, tout en moi tend la main vers toi, tout en moi va vers toi, tout en moi tend vers toi, tout en moi crie à toi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais tout ce qui me concerne aspire à toi, à la plénitude, au revêtement, au débordement, à la saturation, à la connaissance et à l'expérience de Dieu. Il a dit que celui qui a soif, vienne qu'il boive des fleuves d'eau vive. Des fleuves vont jaillir ce soir. Aïe, 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 aïe. Ah, Marocha Katana. Eh, désiré. Oh, désiré. Ah, j'ai besoin. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a des vides que seule ta présence peut combler. Voilà pourquoi tu as des relations, mais quand il n'est pas là, les relations ne suffisent pas. Il y a encore le rejet, il y a encore la solitude. Mais lorsqu'il est là, il n'y a plus de sentiment de solitude. Il n'y a qu'un sentiment de plénitude. Parce qu'il amène la plénitude, il amène la paix, il amène la joie, il amène la foi. Et du coup, même si on dit du mal de toi, ça ne te fait plus rien. Même si tu es seul, même si le monde t'abandonne, ça ne te fait plus rien. Il est l'esprit de plénitude. Mon corps a besoin de toi. Mon corps languit après la vie que Dieu m'a donnée, la vie éternelle, la vie divine, la santé divine, la guérison divine. Mon âme languit après ton amour. Oh, j'ai besoin d'être rempli de la plénitude de ton amour. La plénitude, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance.
La voiture a besoin de carburant. L'âme a besoin de agapé. L'âme a été créée pour fonctionner avec agapé. Et dans agapé, dans l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la joie, il y a l'humilité, il y a la bonté, il y a la douceur, il y a la bienveillance, il y a la foi, il y a l'endurance, il y a la persévérance. C'est le fruit de l'amour. Il y a tout ça selon 1 Corinthiens 13. Car l'amour est passion, il est plein de bonté. Cet amour qui ne soupçonne pas le mal, cet amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, qui se réjouit de la vérité, cet amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout et qui ne périra jamais. Oh, tu es. Et mon esprit soupire après ton intimité, soupire après ta voix, soupire après le son de ta voix, soupire après ton feu. Mon esprit soupire après ton embrasement, ta main étendue, ton débordement. Mon esprit soupire à la baramouche, après ta domination. Mon esprit soupire après ton commandement, ton gouvernement. Toi au commande, toi sur le trône tu es. Mon esprit soupire après ta sagesse, soupire après ton intelligence, soupire après ton humilité. Mon esprit soupire après ton discernement, après tes dons, tes capacités, tes aptitudes, ta puissance, ton autorité. Tu es. Tu es. Maro, Shemalaro, Silema, Lero, Silema. Mon esprit soupire après toi. Tu es. Rien ne me comblera, rien ne comblera le vide qu'il y a à l'intérieur de moi. Ce vide a été mis par le Créateur afin de me convaincre de revenir à lui. Voilà pourquoi quand tu n'es pas là, il y a toutes sortes d'addictions, toutes sortes de vices, la pornographie, il y a l'alcool, les dépendances, les addictions, l'idolâtrie. Quand ce n'est pas toi, alors on idolâtre les hommes, on idolâtre les stars, on idolâtre les vedettes. Parce qu'il y a un vide, un vide. Mon esprit a besoin d'adorer quelqu'un. Tous les êtres humains ont besoin d'adorer. Alors il y en a qui adorent quelqu'un et puis il y en a qui s'adorent eux-mêmes. Ce sont les narcissiques, ils s'adorent eux-mêmes, ils se contemplent eux-mêmes. Mais moi, je ne peux pas adorer les hommes, je ne peux pas m'adorer moi-même. J'ai été créé pour adorer le Créateur à la place de la créature qui est béni éternellement. Tu es. Tu es. Tu es. Aïe, 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 aïe. Il vient combler le vide dans le cœur de quelqu'un. Il vient combler. Il vient posséder un esprit, une âme, un corps, des finances. Dès lors que tu désires, dès lors que tu lui dis, en fait, les finances, c'est toi que je désire. C'est ta richesse, c'est ta prospérité. Mes relations, c'est toi le commandant en chef de mes relations. Aïe, aïe, aïe. Tu es. Aïe, aïe, aïe. Jésus, besoin que tu prennes les rênes, que tu commandes, que tu gouvernes, que tu sois le maître à bord, le capitaine de mon salut, le commandant à bord, le commandant de bord de la barque de ma vie. Tu es le pilote, le maître, le bon berger, le guide. Tu es. Tu es. Tu es. Ajuste, ajuste ton focus, ajuste, ajuste le sujet de ta soif. Redresse bien le portrait, regarde bien sur lui, regarde bien sur lui. Quand je parle de lui, je parle de Jésus-Christ, le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus. Mets bien le focus, mets bien le zoom, mets bien le focus sur lui. Ah, je veux te dire, je veux les enfants, mais c'est toi qui es désiré avant toute chose. Je veux le travail, je veux le mariage, je veux la santé, mais mon focus n'est pas sur ces choses premièrement, il est d'abord sur toi. Tu es. Je veux la percer, mais j'ai vu des gens percer. Et malgré la percée, ils ne sont toujours pas heureux. Et la percée les a éloignés de toi. Voilà pourquoi, Seigneur,
Oh, je ne demande pas la percée. Je demande le Dieu de la percée. Je ne demande pas la richesse. Je demande le Dieu de la richesse. Je ne demande pas la faveur. Je demande le Dieu de la faveur. Je ne demande pas la délivrance. Je demande le Dieu des délivrances. Je ne demande pas la guérison. Je demande le Dieu des guérisons. Le Dieu des restaurations. Le Dieu qui fait tout à merveille. Tu es. Maratose que maladama, chale brahi la rota leva, maro shabare cosie, chelema, laile rossi le ramadera, chale rotose que mala, marotosi de malaki, tu Malaro, Zikete la Malarama, Leto Zila Malaro, Chile Malaro, Chare Barato Zila, Chimalero di Malinaro, Chare Malaro, Chile, 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 Tous les aspects de ma vie ont besoin de toi. Tous les aspects de mon être de désir toi. Je veux te dire ce soir que je le reconnais, je le discerne et je le désire ardemment. Hier, je pensais que ma priorité dans la vie, c'était l'enfant. Ma priorité, c'était l'argent. Ma priorité, c'était le travail. C'était même la santé. J'ai découvert, j'ai rencontré tellement de gens et je rencontre au quotidien. Ils ont la santé, mais ils ne sont pas joyeux. Ils ont la santé, mais ils ne sont pas remplis d'amour. Ils ont la santé, le bien le plus précieux normalement sur la terre. Mais ils ne sont pas épanouis. C'est extraordinaire. Ils ont la santé. Ils ne se rendent même pas. Et ils se plaignent. Ils se lamentent. Ils ne se rendent pas compte que va dans les hôpitaux. Va dans les asiles. Tu vas rencontrer des gens qui n'ont pas ce que tu as. Et qui sont choqués quand ils t'entendent parler. Ils sont choqués quand ils te voient te comporter. Va dans les hôpitaux. Va dans les là où les gens sont en phase terminale. Ils sont choqués quand ils t'entendent parler au téléphone. Ils luttent pour avoir la vie. Ils aimeraient juste avoir encore un peu plus d'années. Et ils sont en train de t'entendre. Ouais, il m'a fait ça. Je ne peux pas comprendre. Je ne pardonne pas. Je ne comprends pas. Je ne mérite pas ça. Ils ont envie de te gifler. Mais ils n'ont pas la force de te frapper. Parce qu'ils sont complètement affaiblis. Et ils te disent, est-ce que tu te rends compte du bien que tu es, toi, la santé? C'est avec ta santé. J'allais tellement être reconnaissant. Parce que quand on a tout le reste, mais pas la santé, alors on n'a pas la capacité de enjoy, d'apprécier. Toi, tu as la santé, tu te plains. Tu as la santé, tu es amer. Tu as la santé, tu te... Oh! Tu es amnésique. Tu as perdu la mémoire. Le ciel te trouve insensé. Tu n'as pas compris que tant que tu as la santé, il y a encore la capacité de faire ce que tu dois faire. Mais quand il n'y a pas la santé, tu ne peux plus rien faire. Quand tu as la santé, tu trouves le moyen de te plaindre. Mon mari, ma femme, les enfants, je n'ai pas encore d'enfants. Tais-toi! Apprécie ce que tu as. Alors j'ai découvert des gens, ils ont la santé, mais non, ils ont toujours vide. Et j'ai aussi rencontré des gens qui n'ont pas la santé entière. Ils sont malades. Oh, mais ils ont découvert le bien le plus précieux. Ils ont lui. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la tribulation, ils sont juste tellement reconnaissants. Ils expérimentent la gloire. Ils sont irradiés par sa présence. Ils sont lapidés, sciés, torturés. Ils sont malmenés. Comme Paul et Silas, ils sont en prison. Mais ils expérimentent une plénitude et une joie. Alors j'en ai tiré une leçon, une conclusion. Je veux ça, je veux ça. Cette présence, cette plénitude, cette gloire. Ah, où tu n'es conscient de rien d'autre que de lui. Où le monde entier, où les choses de ce monde fondent comme la cire. Parce que lui seul compte. Parce que quand tu l'as, lui, d'abord, tu ne dis pas non pour le reste. Mais tu es comblé.
et tu vis avec la conscience de l'éternité. Tu vis avec la conscience de la vanité de ton existence, la vanité de cette enveloppe terrestre dans laquelle tu habites, cette tente, ce domicile terrestre qui n'est pas ton domicile permanent, mais passager. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Sarah Lilama, Shema Laraina Revoloshi. Alors ce soir, je veux te dire que je réalise que c'est toi qu'il me faut. Alors je veux te désirer, toi. C'est à toi que je veux parler ce soir. Te dire, je veux, je te veux, je te veux. Je l'ai dit hier, non pas assez. Je ne dirai jamais assez. Matosia, alors élève la voix. Demande-lui, lui, demande-lui, lui. Oh, prie comme un désespéré. Prie comme une désespérée. Demande-lui, lui. Il ne peut pas s'investir. Il ne peut pas t'envahir. Il ne peut pas t'irradier. Si tu ne le désires pas, lui, il ne va pas là où il est toléré. Il possède et il commande là où il est désiré. Ah, Matosimalero. Shalabaya. Merci pour ce que tu as déjà fait. Mais ce n'est pas suffisant. Oh, je te réclame, toi. Je réclame, toi. Tu es désiré pour ma, par mon corps. Tu es désiré par mon âme. Tu es le premier désir de mon esprit. Tu es le premier désir de mes finances. Tu es le premier désir de mon mariage. Tu es le premier désir de mes enfants, du fruit de mes entrailles. Tu es le premier désir de ma mentalité. Je veux la pensée de Christ parce que je ne veux plus de forteresse. Je veux la pensée. Tu es le premier désir de ma pensée. Tu es le premier désir de mon intelligence. Tu es le premier désir de mes émotions. Tu es le premier désir de mes sentiments. Tu es le premier désir de ma volonté. Tu es le premier désir de mes pensées. Tu es le premier désir de mon destin. Tu es le premier désir de mes relations. Tu es le premier désir de mes fréquentations. Tu es le premier désir, le premier, le premier, le premier, le premier, le premier. Jusqu'à la plénitude, jusqu'au débordement. Là où tu es, il n'y a pas de sentiment de solitude. C'est faux. La solitude ne vient pas de toi. On ne peut pas t'avoir toi et se sentir seul. C'est impossible. C'est une contradiction. Parce qu'une seule présence amène la plénitude. Quand tu remplis, je n'ai plus besoin de la cigarette. J'ai plus besoin de masturbation. J'ai plus besoin de boîte de nuit. J'ai plus besoin de vice. J'ai plus besoin d'un peu d'impudicité. Je n'ai plus besoin de coucher. Je n'ai plus besoin de coucher en mariage. Je n'ai plus besoin de pécher. Lorsque tu remplis, il n'y a plus d'autre désir que toi. Oh, sois mon seul désir, mon premier désir, avant tout toi. Je ne maîtrise pas le reste. Mais si tu n'as pas la priorité, alors reviens être la priorité. Reviens au centre, reviens au centre. Reviens au cœur, reviens à l'intérieur. Est-ce que tu es en train de soupirer? Il y a des fleuves de vide, des fleuves qui vont sortir encore de toi ce soir. Et tu n'en auras jamais assez. Parce que quel que soit ce que tu vas découvrir en lui, ne t'inquiète pas, tu n'as pas tout trouvé encore. Il est un Dieu de facettes, il est un Dieu de profondeur, il est un Dieu de hauteur, il est un Dieu de dimension. C'est exactement comme l'oignon. Tu as enlevé une couche, ne t'inquiète pas, il y en a plusieurs derrière. Même les anges qui le connaissent depuis l'éternité n'ont pas découvert encore de lui, toutes les facettes de lui. Voilà pourquoi chaque fois qu'ils le voient, ils disent saint, saint, saint. Et la prochaine fois, ils disent encore saint, et encore saint, et encore saint, et encore saint. Même les quatre êtres vivants, même les 24 vieillards, personne ne le connaît. Il habite, dit les Écritures, une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. On ne peut pas le sonder, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas. Oh, mais tu nous combats. Allato sakatayama, allez brokotosi, allez mayama. Oh, sois le désir de ton peuple, sois le désir de ton peuple. Oh, reviens au centre, reviens au centre. Mon âme te désire, mes finances te désirent, ma mentalité te désire, mon travail te désire. Et quand mon travail le désire lui, alors mon travail ne cherche plus un boulot. Mon travail embrasse sa destinée, la destinée, la destinée. Lorsque mon travail le désire lui, alors quel que soit ce que tu as étudié, viendra un moment où il va te dire, allez, je te sors de ton boulot, je t'emmène dans ton destin. Mais pour cela, il faut que tu ne désires pas un travail, tu ne désires pas un boulot, tu désires lui. Et quand tu désires lui, tu cherches lui pour le travail, tu trouveras ta destinée. Oh, ma chakatale, mandosi le bakataya, ma resi lo baka, le dosi halama. Chérie, ma
Oh, you alone, you alone, oh Malena. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas l'exprimer, mais je t'en supplie, entends les cœurs de tes rachetés, entends les cœurs, intercède pour nous par des soupirs inexplicables auprès du Père. Nous désirons toi, nous désirons Dieu, nous désirons Christ pleinement formé. Nous soupirons après toi, mon corps soupire. Mon corps soupire. Si ton corps soupire après ta guérison, après cette guérison, il peut y avoir une autre maladie encore et une autre maladie encore. Voilà pourquoi il ne faut pas soupirer après la guérison. Il faut soupirer après le guérisseur. Quand il arrive, il bloque, il ferme l'accès à toutes les autres maladies et il te possède par la vie éternelle. Mon corps soupire après toi. Je refuse de t'être guéri là pour être malade encore demain là-bas. Oh, je t'en supplie. Mon esprit te cherche. Mon esprit soupire après toi. Mon âme te désire. Mon âme te veut. Mon âme a besoin de toi. Ah, chalekoto. Ah, la 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 la. Eh, le dosia. Ma dosia, ma la la la. Cheka la ma la dosia. Mange l'hyprosa. Je refuse de dire. Tant que mon mari n'est pas converti, je n'aurai pas l'amour. Tant que ma femme n'a pas changé, je n'aurai pas dans ton amour. Ah non, ne laisse ni mon mari, ni ma femme, ni la condition de mes enfants, ne laisse ni ma propre santé m'empêcher de te désirer toi, de t'aimer toi. Je te veux, je te veux, je te désire, je soupire après toi. Shema la rama, lima lima le rosi. Shema la rade, lima le rode. Shela la lila de mara rosiere, shela la mere la more, fuori de mare, zila balatazia, ma dosi che te la, mon âme, mon corps, mon esprit, mes finances, mon mariage, mon foyer, mon histoire, mes relations, te désire toi. Je ne désire pas une relation, je ne désire pas un mari ou une femme, je désire toi. Si tu ne désires qu'une relation, Satan peut te donner une relation. Satan peut t'envoyer quelqu'un, il peut t'envoyer la femme étrangère, il peut t'envoyer l'homme étranger. Si ton soupir c'est le mariage, le diable va t'envoyer quelqu'un. Mais si ton désir c'est l'esprit, il va t'envoyer la bonne personne au temps convenable. Et en attendant, si ton désir c'est l'esprit, en attendant que la personne ne vienne, tu ne te sentiras pas seul. Non, parce que tu es comblé. Quand il est là, il amène la plénitude, la plénitude, la plénitude. On ne peut pas se sentir seul quand il est là, il te remplit et te rend, il te donne la conscience de la destinée, de la mission. Alors il t'occupe à accomplir ses bonnes œuvres, à servir Dieu. Et pendant que tu vas servir, tu vas rencontrer l'âme sœur, tu vas rencontrer mais la marche. Mais si tu sens la solitude, ah j'en ai marre d'être seul, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté le glorieux, tu ne l'as pas expérimenté, tu ne l'as pas trouvé. Alors demande-lui la grâce de le trouver, de le trouver, de le trouver. S'il y a l'inquiétude, c'est parce que tu ne l'as pas trouvé. Demande-lui, lui. Oh, ce soir, C'est une intercession prophétique, mais dans le but cette fois-ci, c'est lui bien-aimé, c'est lui l'objet, c'est lui le sujet, c'est lui la focalisation. Il n'y a rien d'autre qui ne pourra me satisfaire. Si ce n'est pas lui, cherchez premièrement, d'abord, premièrement, seek ye first the kingdom. Seek ye first the kingdom of God. The kingdom of God. The kingdom. Oh,
Je te veux toi, je te veux toi, je te veux toi, d'abord, je te veux toi, premièrement, je te veux toi, avant le reste, je te veux toi, en priorité, je te veux toi, je t'en supplie, je te veux toi. J'ai la volonté, je te veux toi, mais pas la capacité, je te veux toi, toi en premier, je te veux toi, ma mentalité a besoin de toi. Je ne veux pas le diplôme, je veux toi. Parce que tu peux avoir le diplôme mais sans l'esprit de sagesse. Tu peux avoir le diplôme mais sans l'esprit d'intelligence. Si tu ne me crois pas, demande à Joseph. Il n'a pas pu aller à l'école. Mais l'Égypte l'a réclamé. Mais l'Égypte l'a célébré. Il n'a pas été à l'école des hommes. Mais il a été à l'école de l'esprit. Je te veux. Je ne demande pas les diplômes en premier. Non, 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 non. Je te désire, toi seul, l'esprit supérieur, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, qui me donne la connaissance des choses qu'on n'a pas apprises à l'école, qui me fait connaître la vie des gens sans même avoir compris. Oh, oh, oh. L'esprit d'intelligence, l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, l'esprit de vie. Je ne veux pas seulement la guérison, non, 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 non. Je veux l'esprit de vie, que tu possèdes mes cellules, que tu possèdes mes os, que tu possèdes mes organes, de la tête jusqu'aux pieds, que tu marches à l'intérieur de ce corps et que tu pénètres ce corps, que tu l'irradies dans la vie éternelle, afin que les maladies connues et même inconnues, les choses dont je suis conscient, brûlent, fondent comme la cire. Je te veux. Pénètre ses corps de la tête aux pieds. Brûle les masses dont je ne suis pas au courant. Brûle les choses. Pénètre le sang. Pénètre les os. Pénètre les organes. Pénètre les reins, les seins, la tête, le cerveau, le cœur. Mets la main bien aimée. Oh, il est mal quelque part. Mais ne t'arrête pas au mal. Hein. Il dit, je veux toi. Possède esprit de vie. Esprit de résurrection, pénètre ses oreilles, débouche-les, pénètre ses yeux, ouvre les yeux des aveugles, pénètre ses jambes, fais marcher les paralytiques, donne, pénètre ses dos, pénètre la colonne vertébrale. On a dit qu'elle était penchée, scoliose ou n'importe quoi. Seigneur, pénètre ses os, redresse les dos, aligne les corps, aligne les jambes, pénètre la peau, pénètre le système immunitaire. Ils ont dit, maladie psychosomatique, maladie auto-immune. Je demande alors, toi, je veux que tu pénètres l'immunité, le système immunitaire. Et que toi-même, tu prennes le commandement de ce système immunitaire. Et que tu actives la loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire, loi du péché, tu n'as plus le droit de produire ces maladies auto-immunes, ces maladies psychosomatiques, ces maladies, ces dérèglements où le corps se combat lui-même. Je réprime ces désordres, j'appelle le ministère de la loi de l'esprit de vie. J'appelle le ministère de l'esprit de vie et quand il se meut, il vient et il remplace la loi du péché qui emmenait ces maladies, qui emmenait ces choses bizarres dans le corps. Il les remplace, la loi du péché de la mort, il la remplace par la loi de l'esprit de vie. Voilà pourquoi c'est toi que je veux. Je te veux. Pénètre les corps. Irradie ses corps, guéris les os, guéris les jambes, guéris les hanches, guéris le dos, guéris le ventre, guéris les organes génitaux. Oh, s'il te plaît, dans ces fibromes-là, je ne veux pas quelqu'un d'autre que toi. Je veux dans ces organes génitaux, je veux dans ces ovaires, dans l'utérus, dans les organes. Ah, je te veux!
t'abandonne. Alors, comme que j'ai un Dieu jaloux, viens, viens, pénètre, pénètre, marche, marche, dans les cœurs, dans les corps. Mais il y a quelqu'un pour qui c'est l'âme, j'en ai marre du rejet, j'en ai marre de la peur, j'en ai marre de la masturbation, j'en ai marre de l'impudicité, j'en ai marre de faire le mal que je n'ai pas envie de faire, et je n'arrive pas à faire le bien que j'avais envie de faire, j'en ai marre d'être rebelle, j'en ai marre de murmurer, j'en ai marre de blasphémer, j'en ai marre de ces forteresses, je te veux, je te veux, je... Alors, esprit de vie, esprit de résurrection, esprit de power. Oh, mais ta main, viens, 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 viens. C'est toi, Dieu jaloux. Pas de cohabitation, pas de quoi. Non, 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 plus de cohabitation entre la maladie et la santé. Plus de cohabitation entre les démons et le Saint-Esprit. Plus de cohabitation entre la faiblesse et la force. Je te veux. Je te veux, ha ha ha, ça m'arrange. Feu de Dieu, viens comme un feu, viens comme un feu. C'est toi, c'est toi, c'est toi qui es désiré, imploré, supplié. Je te veux. Dans les finances, je ne demande pas l'argent, je ne demande pas l'argent. Ah non, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je ne veux pas l'argent, je veux toi, 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 viens. Là où il y a la sécheresse, là où il y a l'endettement, là où il y a la mer rouge, il y a les portes financières fermées. Je te veux. Je te veux. Oh, tu es désiré, tu es désiré. Oh, je te veux. Rata les bras qui contosent. Je te veux. Je te veux. Zima les doses mal à l'ima. J'ai l'ima la l'ima les roses. Je les roli lama. Si à la bouche qui lama. Chobrasi au palatasi do lama. Je veux une dimension de gloire, une dimension de toi que je n'ai jamais connue, une dimension de règne que je n'ai jamais vécu, une dimension de gouvernement divin, de colonisation divine du glorieux Saint-Esprit. Colonise-moi, colonise mes émotions, colonise ma langue, colonise mon système de pensée. Ah, là où je pensais échec, oblige-moi naturellement à penser royauté, excellence, diligence, productivité, splendeur, éclat, beauté, lumière, capacité, don, aptitude, don spirituel. Repas de grâce. Je te veux. Je veux tes dons, tes capacités, tes aptitudes. Alors répands tes dons spirituels. C'est ta volonté de les distribuer. Répands tes dons spirituels. Répands tes dons spirituels. Il y en a assez de dépendre des mathématiques. Il y en a assez de dépendre de ce que j'ai appris à l'école. Il y en a assez de dépendre de ce que mes professeurs ont enseigné. Je demande à accéder, à entrer dans la connaissance des choses qu'on n'a pas appris à l'école. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu et que Dieu a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Je te veux. Et balatasi, magalo, c'est la mana. Chez bracoto, c'est les malalo. Je te veux. Je te veux. C'est toi que je désire. C'est toi que je règle. La communion, la fusion, l'osmose, la dépendance à toi. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Onction de Dieu. Règne de Dieu. Présence de Dieu, feu de Dieu, puissance de Dieu, règne de Dieu, dans mon
corps, dans mon âme, mon esprit, mes relations, ma mentalité, ma destinée, mes foyers, mes enfants, toute mon histoire. Oh, je t'en supplie, je te veux. Les finances ont besoin de toi. Mes finances te désirent. Les finances de ICC te désirent. Oh, on veut toi. On veut pas l'argent, on veut toi. On veut le Dieu de la provision. Pas seulement la provision. Parce que le diable peut t'envoyer la provision. Satan peut t'envoyer de l'argent. De l'argent souillé, de l'argent contaminé. Je ne veux pas, non. Je te veux. Je te veux. Si arrivo tosi la mano, shabara tosi che de malara bosile, maro tosi le malara malosi. Ses yeux te veulent toi, ses oreilles te veulent. Regarde ses corps, regarde ses cœurs, regarde ses ventres, ses estomacs, ses cœurs, ses cerveaux, ses organes génitaux, regarde ses ovaires, ses utérus, regarde. C'est toi qu'ils veulent. Alors pénètre, alors possède, alors imprègne. Vie de Dieu. Oh, il y a les os, les hanches, les tendons, les tissus, les ligaments, les nerfs, les veines, les artères. Ce corps a besoin de toi, il te veut toi. Ce système immunitaire te veut toi. Esprit de vie, engage par le sang de Jésus la loi de l'esprit de vie qui nous a affranchis. La loi du péché de la mort. Que toutes ces maladies psychosomatiques, ces manifestations psychosomatiques, dérèglement du système immunitaire, ces mensonges par le sang de Jésus soient effacés. Nous demandons que le Saint-Esprit, le glorieux, prenne les commandements du système immunitaire, du système cérébral, du système digestif, du système respiratoire, du système osseux, de tous les systèmes de ton organisme, même si je ne connais pas les noms. Demande qu'il prenne le commandement de tous les systèmes de ce corps, de tous les systèmes de mon cœur, de mon corps, de tous les systèmes. Je demande que le Saint-Esprit règne et prenne le contrôle, le commandement. Et que la loi de l'esprit, la loi du péché de la mort, qui commandait ce corps, ce système immunitaire, dans le nom de Jésus, soit désactivée et remplacée par le sang de Jésus, remplacée par la loi de l'esprit de vie. Cette loi m'affranchit, cette loi me libère. Je n'ai plus à subir des apparitions, des trucs bizarres. Je n'ai plus à subir des maladies. Le péché, la maladie est la racine. Elle prend appui sur le péché dans la chair. Je répite ce péché dans la chair. Il n'y a désormais plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Oh Père, engage le ministère du Saint-Esprit dans l'esprit, dans l'âme, le corps, les finances, la mentalité, les émotions, les sentiments, la volonté, dans Balados, il y a tous les domaines de la vie. Dans l'église, un Pax Chrétien, dans les finances, le leadership, l'organisation, la manière de penser, la consécration, le cœur, nous te demandons toi, nous te réclamons toi, nous te supplions toi, nous te désirons toi. Oh, les dents, les enseignements, les prédications, nous ne voulons pas les hommes, nous ne voulons pas l'intellect, nous ne voulons pas la théologie des hommes, nous voulons Dieu, nous voulons le Saint-Esprit dans les prières, nous voulons l'Esprit, le ministère de l'Esprit, pas la religion, pas les récitations, l'Esprit, la vie de l'Esprit, la marche de l'Esprit, la vie de l'Esprit, le règne de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, la sagesse de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les capacités de l'Esprit, relâche-les. Oh, c'est toi. C'est la malade. Je te veux. Mais croyant, voyez-le. Ah, ma. J'ai eu la main pour ton zimé. Les bro.
Rokotos. Ah, la romance, la rencontre, la fusion, l'osmose, la révélation, les temps, les visitations, les rencontres nocturnes avec toi. À partir d'aujourd'hui, les rencontres nocturnes avec l'Esprit des eaux cèdent place aux rencontres avec le Saint-Esprit la nuit dans le nom de Jésus. Il t'instruira, il te montrera la voie que tu dois suivre. Il va te révéler des choses cachées que tu ne connaissais pas. J'appelle cette grâce dans le nom de Jésus. Plus de rêves impurs, plus de rêves érotiques, mais des rêves où tu entends les anges, tu reçois les directives, tu connais les choses avant qu'elles n'arrivent. L'esprit prophétique, l'esprit de prophétie atterrit. 1, 2, 3, atterrit sur la personne qui le reçoit au nom de Jésus. Oh, paralatazir, et katalama, et rokotosi, matos, que la paluole le masse, et ma. Lève les deux mains, si tu le peux. Lève les deux mains. Ces deux mains levées. Un message d'abandon. Sente une posture de réception. Ces deux mains levées. Sente un message de soif. Sente un message de réceptivité. Ces deux mains levées. Sente un message de ras-le-bol de là où je suis. Un cri pour être pris et tiré. Montez plus haut. Ces deux mains levées. À trois, Père, saisis-les. Mahalala masege delema. Un. Roto seke palatazi la mandalabo. Aïe 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 aïe. Deux. Olozine mandale brahito zima le gazia. Reto maïlale masitole. Quand tu prends, prends tout. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Absorbe tout. Le dragon est un dévoreur. Quand il te dévore, il ne laisse rien. Mais le Saint-Esprit n'est pas un dévoreur. Mais quand il te prend, il t'absorbe complètement dans le feu. À toi, Père, reconfirme ta parole. Je dis, toi, au nom de Jésus, confirme-la, 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 confirme-la. Ah, saisis, saisis. Relâche, connecte. Tire plus haut, tire plus haut. Tire plus haut, tire plus haut. Ah, oh, fais ton ministère, fais ton ministère, fais ton ministère. Une échelle est établie entre le ciel et la terre. Des provisions sont en train de descendre. Alors que tu gardes les mains levées, des provisions sont en train de descendre. Des grâces, des troncs, des capacités, un cœur, des aptitudes, des organes, de la restauration, des relations, la sagesse. Tout ce que tu lui as demandé, lorsque tu as dit, je te veux toi, maintenant est en train de venir. Est en train de venir. Il y a un corridor entre le ciel et la terre. Au nom de Jésus-Christ, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Ce corps reçoit la vie. Cet esprit reçoit l'intimité, la sagesse, l'intelligence. Cette âme reçoit agapé, reçoit la restauration, la rébellion, les blessures que tu transportais, l'insécurité, le rejet, la peur. En une heure et quart, ces choses ont disparu de toi. Disparu de toi. Parce que tu l'as trouvé, il a exaucé, il a exaucé, il t'a donné lui, il t'a donné lui. Tu vas constater que ces sentiments, ces peurs, ces phobies, ces angoisses, tu ne les trouveras plus. Tu vas te choquer. Comment d'où me vient une telle audace? Tu te réveilles au milieu de la nuit. J'ai une telle audace. Un dirait un jeune lion.
quelqu'un qui inspire la terreur. Mais d'où est-ce que ça me vient? Ça vient d'un téléchargement. Il a entendu, il a exaucé, il a entendu la voix de tes supplications et il t'a donné lui-même. Ah, au revoir à la peur, au revoir à l'inquiétude, au revoir au plaisir du monde, au revoir à l'impudicité, à la jalousie, au revoir, au revoir, au revoir aux blessures de l'âme, au revoir aux œufs de la chair, au revoir aux maladies, aux grosseurs, aux grandeurs, aux balassas, à ce qui n'a pas semé, ce qui n'a pas planté. Il y a des douleurs, il y a des choses dans ton corps dont tu n'es même pas conscient, mais parce que ton corps l'a trouvé. J'ai déclaré, je décrète, ce qui était connu et inconnu est complètement irradié, brûlé, 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 brûlé par le feu. Parce que quand il vient comme un feu dévorant. Quand il vient, autour de lui est une violente tempête. Dieu s'avance comme un feu dévorant. Il marche dans ses corps, il marche dans ses cœurs comme un feu dévorant. Ce qu'il n'a pas planté brûle, brûle. Et il y en a reste. Oh, les démons qui étaient cachés dans ce corps, qui se cramponnaient à cette face, à cette âme, à ces émotions, à ce cœur, brûle, brûle, brûle. Les esprits de sorcellerie rôtissent comme le feu, rôtissent par le feu, sont rôtis par le feu. Chalemara, tout esprit impur, quel que soit son nom, il ne peut pas supporter quand c'est Dieu, quand c'est Dieu. Quand Dieu vient, c'est un Dieu jaloux. Quand il vient, c'est un feu dévorant. Quand il vient, c'est une violente tempête. Quand il vient, il laisse le... Quand il vient, c'est le tonnerre. Quand il vient, sa voix retentit comme le tonnerre. Sa voix est comme le bruit des grandes sauts. Quand il vient, il inspire la terreur. Dieu s'avance. Oh, bien-aimé, accueillons-le. Accueillons-le. Oh, malade, mocha. Et kata, rato, si, kete, la parta, la bossa. Et l'auto, si, valère. L'ocha, kata. Rekotozi kenama, makotozi lema, orokotozi ketena, mandeli borogo. Je vois des anges être déployés en force. Ils viennent assurer la sécurité des rachetés, des élus. Ils viennent barricader. Ah, bien-aimé, nous sommes au bon endroit. Celui est une fournaise. Là où tu es, c'est une fournaise. La grâce est répandue sur quiconque est connecté au son de la voix de son serviteur. Oh, béni soit le nom. Aïe, 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 aïe. Oh, God, 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 oh, Prekatalama, oh Libra, ah, oh Shalamaya, sa voix retentit comme le tonnerre. Dieu se lève ce soir, ses ennemis se dispersent. Il se lève ce soir, ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant lui, ils fuient devant lui, ils fuient. Ils fondent comme la cire, les cancers, les tumeurs fondent comme la cire au son de sa voix. Maintenant, 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 les maladies incurables, les maladies qu'on appelait incurables, les maladies qui étaient en train de tuer, de gangréner, de détruire, les yeux devenaient jaunes, tout était détruit. Je commande, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, la mort et son ennemi dispersent, dispersent, dégage, esprit de mort, quitte, quitte. Fausse couche, dégage! Esprit d'envoûtement, sorcellerie, voleur, voleur, je te brise la nuque, là où tu es, au nom de Jésus, ne reviens plus jamais, dégage! Libère ce ventre, endométriose, dégage! Enlève ta main de ses organes génitaux, enlève ta main de son utérus, enlève ta main de cet utérus, tu as cela! Ses ennemis se dispersent, disperse-toi! Serpent, dragon, dégage! Quitte ton utérus! Quitte cet utérus maintenant!
Esprit impur, allez pas. Allez pas. Allez pas. Dégage. Mami Wata. Impudicité. Pornographie. C'est à toi que je parle. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Disperse-toi. Lâche-le. Lâche-la. Pars. Maintenant. À toi. Ton sort est scellé. Tu ne reviendras plus jamais. Tu n'auras plus jamais de masturbation. Plus jamais d'adultère. Plus jamais de perversion, dysfonctionnement, dérèglement, confusion sexuelle. À toi. Un, deux, trois. Dégage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu se lève. Il se lève. Ses ennemis se dispersent. 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 Au nom de Jésus-Christ. Arrête-toi. Malade les bras. Oh, tu vas témoigner. Tu vas témoigner ce soir, mon frère. Tu vas témoigner ce soir, ma soeur. Je te veux. 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 Si la rama, chez la rabaro, si le barana. Marosa Dalamaya, Zeketaya, esprit d'infertilité, tu as bloqué le ventre de cette femme. Tu l'empêches de concevoir. Tu as bloqué ses entrailles. C'est contre toi que je viens au nom de Jésus. Je t'attrape le cou. Ma main sur la nuque de mes ennemis. C'est dans le nom de Jésus. Regarde, ta tête serpent. Brisé ce soir, quitte son ventre, quitte la, quitte sa, quitte ses organes, la, quitte, quitte, voleur, tu es un obstacle à sa fertilité, je te dégage au nom de Jésus, je commande sa fécondité, maintenant, Cholabana, Lise Gabrata Zokotola. Chalarabana Kotosia. Never again, never again, never again. Infertilité, toi, tu empêches la conception. Serpent, c'était ton dernier jour. J'espère que quand la parole est sortie, tu as mis ta main. Là où ma soeur a mis la main, là où mon frère a mis la main, on a dit non, c'est fini, tu ne peux pas enfanter, tu n'as pas le sperme assez fort, assez... Esprit de vie. Il a dit c'est toi qu'il veut. Et toi, tu es l'esprit de vie. La vie a pénétré. Maintenant tu es fécond. Nous te rendons grâce. Rends-lui grâce. Chalalabalalo. We want you, Lord. Te remercions. Tu as dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien, il faut de raison, votre Père Céleste sera-t-il donné le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, à ceux qui le réclament. Nous avons été exaucés. Parce que cette prière est conforme à ta volonté. Au revoir l'orgueil. Il me dit que sans faire d'effort, tu étais orgueilleux. Il me dit que tu seras choqué de sentir en toi une humilité que tu ne connaissais pas. Amen.
Cette délivrance a eu lieu ce soir. Par une rencontre, une fusion. Il a entendu. Nous te rendons grâce. Thank you, Lord. We thank you. Nous te recommandons notre retour. Nous partons comblés, saturés, enivrés, conquis, remplis, gouvernés, éclairés, assistés, escortés. Merci de ce que tu nous as tirés vers l'eau. Tu as déjà tellement tant fait. En une semaine déjà. Nous sommes tellement reconnaissants. Zidoma la labo cheleba. Chalabradozi. Raccompagne-nous. Nous nous attendons à toi et nous demandons tout l'agenda que tu as préparé pour nous, Seigneur. Le menu que tu as préparé pour nous, déverse tout. C'est un voyage que toi-même tu conduis. Honneur, louange et gloire à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur, à le glorieux Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Plusieurs parmi vous, vous allez expérimenter, vous allez commencer et vous allez expérimenter des visitations divines. Et l'Esprit m'a dit de remplacer le mot miracle, c'est lui qui me l'a dit, par le mot visitation divine, parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que miracle, vous avez une notion de miracle qui est biaisée. En fait, un miracle, c'est simplement ce qui nécessite l'intervention de la puissance de Dieu. Et beaucoup de gens ont vécu des miracles, mais en fait, ils ne témoignent pas parce qu'ils se disent non, ça, c'est pas trop, c'est pas grand chose. Ce petit-là, que tu appelles petit-là, peut édifier beaucoup de multitudes. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, notre Père, et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que je vais en parler plus tard, je ne sais pas quand, mais j'ai reçu la forte conviction qu'à ces 21 jours-là, contrairement à d'habitude, on va faire pour ceux qui le peuvent, chacun selon sa prospérité, mais une offrande vraiment sacrificielle. Parce que l'Esprit m'a dit qu'en fait, je ne vous dis pas tout. Parce qu'il y a des choses que je ne dis pas pour éviter d'être stigmatisé. Mais il m'a dit que je ne vous dis pas mon secret. Comment on fait pour être toujours autant embrasé? Et les choses que j'ai à te dire, peut-être que je vais te dire demain, je ne sais pas quel jour. Mais tu vas comprendre que le secret, ce n'est pas un sacrifice, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie, ce n'est pas un sacrifice. L'offrande est un sacrifice. Il y a des gens pour qui l'offrande est spontanée, et quand ils ont fait une offrande, ils estiment que j'ai déjà beaucoup donné. En fait, c'est parce que tu n'as pas compris. Il m'a dit, en fait, je ne te dis pas tout. Et je ne dis pas tout parce que je n'ai pas envie de me faire stigmatiser, je suis déjà suffisamment pointé du doigt. Mais je te dois la vérité. Alors je te dirai ça plus tard selon la direction de l'Esprit. Mais il m'a dit, ta vie à toi c'est une vie de sacrifice. Et quiconque va prier sans associer à la prière, pas juste l'offrande, le sacrifice, il va prier, il n'aura pas les mêmes résultats que toi. Or la volonté de Dieu, c'est de relâcher les mêmes grâces, de bâtir un peuple homogène qui accomplit sa destinée. Sans la culture, pas l'exceptionnel sacrifice, sans la vie, la culture de sacrifice. Il y a le payer le prix, mais ma vie est un sacrifice, si tu n'as pas une idée.
c'est ma nature, ma culture, mon permanent. Si je ne te dis pas ça, je ne t'ai pas dit la vérité. Alors, pendant, avant la fin de ces 21 jours, ou plus tard, la dernière jour, je ne sais pas, je vais challenger ceux qui le peuvent à faire l'offrande de Salomon, l'offrande de 1000 euros. Ça, c'est pour ceux qui le peuvent. Tout le monde ne pourra pas. Donc, tu prendras à la hauteur de ta prospérité et selon ta foi. Et ceux qui peuvent 1000 euros facilement, ils devront donner des multiples de 1000 euros. Parce qu'il m'a dit, mais ça c'est ma vie à moi. C'est notre vie à nous. Mais je ne vous le dis pas souvent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Tu pars en paix et tu l'as trouvé. Au nom de Jésus. Amen. Excellente soirée dans sa présence. Comme le dit Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En effet, en partageant votre témoignage, vous scellez ainsi cette visitation divine et vous contribuez à faire naître la foi chez plusieurs. Que Dieu vous bénisse! Si vous aussi vous expérimentez une visitation divine, une guérison, une délivrance ou une libération, partagez-nous votre témoignage en audio sur le numéro WhatsApp suivant. Plus 33 6 62 10 62 11. Si vous êtes en présentiel, rapprochez-vous de l'équipe de la communication afin d'enregistrer votre témoignage. Comme le dit Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En effet, en partageant votre témoignage, vous scellez ainsi cette visitation divine et vous contribuez à faire naître la foi chez plusieurs. Que Dieu vous bénisse !